comme ça. 40 euros. Tenez. C'est bon ? Personne, elle est heureuse. Ah, c'est pris un méga vent. Les protestants étaient massacrés. Noyés dans la Loire, pendus au balcon du château. Ça s'appelle cet épisode de la conjuration d'Amboise. 12 ans avant la nuit terrible de la Saint-Barthélemy. Là, c'est une nuit historique, encore au programme scolaire. On parlait de sujets qui fâchent pendant les vacances, mais quand même. Et le château a servi de prison à partir de ce moment-là, et ce, presque jusqu'à la Révolution française. À la veille de la Révolution, le cousin de Louis XVI, Jean de Penthièvre, est passé par ici. Ça lui a beaucoup plu, et il a racheté le domaine d'Amboise auprès de son cousin le roi. Il n'a pas eu le temps de faire des travaux, que la Révolution, c'était l'heure de la Révolution française. On lui confisquait son bien comme bien national. Et ça fait que sous Napoléon Ier, Amboise servait de siège pour un sénateur, Pierre Ducos. Alors lui, il était très soucieux des chutes de pierres fréquentes et souvent mortelles. Et oui, puisque les gens d'Amboise, ils habitent au pied du château. Donc là, vous aviez un grand corps de bâtiment entre la tour et la chapelle. Il y avait 4 étages là. Les façades mal entretenues, les morceaux de salpêtre qui se détachaient, ça tombait plus bas. Puis on avait quand même le vieux château fort, au bout, qui n'était pas entretenu du tout. Donc on a beaucoup démoli sous Napoléon Ier. On estime aujourd'hui que les 4/5 du château ont disparu à ce moment-là. Il ne reste que 20% d'un énorme château de la Renaissance. Et c'est pour ça qu'après avoir vu la chapelle, quand vous allez rentrer là-bas dans le château, au rez-de-chaussée, dans la deuxième salle de garde, il y a un très grand dessin qui va être intéressant pour vous, qui illustre très bien ce qu'était le château à son apogée, à la Renaissance. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le château derrière. Tu divises comme trépied les gens. T'as pas honte. Sauf là. Thank you.
qu'on arrive d'autobus jusqu'à rien. Ça aussi un zouk. Attends, mais non, c'est que je touche la même. Non, c'est que c'est là, genre, il y a une sorte de coup. Ah oui. J'avoue que je ne peux pas trop en manuel, je ne suis pas trop fort.